Bienvenue sur le plateau TV des JFR 2021, les journées francophones de la radiologie. Trois invités en plateau pour faire un focus sur le projet POCDOSE, projet fédérateur, fruit des échanges entre la Société française de radiologie et le Health Data Hub, un projet dont la phase opérationnelle a été enclenchée par Dream France IA et la société MedSquare. Et on en parle justement avec nos invités. Tout d'abord, le professeur Pierre Champsaur, bonjour. Vous êtes président du directoire de Dream France IA. Professeur Alain Luciani est avec nous, responsable du POCDOSE et membre du conseil scientifique de Dream. Et enfin, Dominique Gabriel est présent, président de la société MedSquare qui accompagne Dream France IA à travers ce projet. On va revenir justement, on va rembobiner Alain Luciani et revenir sur la genèse du projet, en quelques mots, et son ambition principale pour la SFR et pour Dream IA. Oui, ce projet, il prend son origine en fin 2018 et le Health Data Hub est venu interroger la Société française de radiologie pour savoir si un projet à dimension nationale d'agrégation de données pouvait donner lieu à des projets de recherche que pourrait porter le Health Data Hub. Et la Société française de radiologie a considéré que la remontée nationale de données dosimétriques sur toutes les modalités d'imagerie qui produisent des rayonnements ionisants avait un intérêt sur la qualité locale, avec une appropriation sur la maîtrise, on va dire, de la dosimétrie localement, mais aussi sans doute sur l'étude de la dosimétrie au niveau national. Et ça, c'était une vraie question de recherche. Alors ensuite, naturellement, la Société française de radiologie s'est appuyée sur Dream France IA et sur son conseil scientifique qui était réuni autour de Marc Zins pour arriver à identifier quels acteurs, et notamment quels acteurs industriels, seraient susceptibles de porter techniquement ensuite ce projet dont l'ambition, vous l'avez compris, était au départ centrée sur la recherche. Et c'est MedSquare qui est l'acteur industriel qui porte ce projet. Quels sont les atouts, justement, Dominique Gabriel, de MedSquare pour faire de ce projet une success story à la française? Déjà, j'aimerais bien parler des motivations de MedSquare pour accompagner Dream France IA. Donc, nous baignons dans le domaine de la dosimétrie depuis 2010. Nous avons effectué beaucoup de projets au niveau local, dans des hôpitaux, dans des groupements hospitaliers, au niveau régional, et puis aujourd'hui c'est un aboutissement de pouvoir faire la dosimétrie au niveau national. Donc les atouts de MedSquare sont le savoir-faire et l'expertise de MedSquare. Avec tous les projets que nous avons déjà menés jusqu'aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons être l'accompagnateur idéal pour Dream France IA pour pouvoir mener à bien ce projet. Et MedSquare est une PME française. Qui dit PME dit une société agile, réactive, et dans des projets d'envergure, il faut être agile et surtout très réactif. Terminons ce tour de table avec vous, Pierre Champsaur, président du directoire de Dream France IA. Justement, comment se situe ce projet POCDOSE dans la dynamique de Dream? Alors, Dream France IA est une structure nationale qui est portée par l'ensemble des radiologues privés et publics français avec les quatre piliers du G4. Et qui a pour vocation d'accompagner tout ce qui est le numérique et l'utilisation de l'IA pour les radiologues. Avec deux grands piliers, un premier pilier, c'est de conseiller les radiologues avec tous les outils d'IA qui sortent tous les jours, les accompagner dans ce choix et les conseiller pour mener ça de façon adaptée. Et de l'autre côté, de porter des grands projets fédérateurs nationaux. Et ce projet POCDOSE est tout à fait exemplaire parce qu'il porte une notion fondamentale de la dose au niveau national. Et quand on voit aujourd'hui les populations qui bougent avec le télétravail, on voit bien que le parcours patient s'inscrit dans le territoire national. Et de pouvoir avoir des données, de les traiter, et d'avoir des notions finalement que personne ne connaît aujourd'hui sur la réalité de la dose, de pouvoir avec l'IA mieux définir les bonnes pratiques et en même temps peut-être de pouvoir aussi accompagner dans le dossier du patient, peut-être dans le DMP demain, d'avoir la dose cumulée du patient qui est une information essentielle et donc à la fois faire la recherche, améliorer le parcours patient et c'est exemplaire en ce sens que ce projet POCDOSE s'inscrit pour Dream France IA. Pour conclure, Alain Luciani, un dernier mot. C'est un grand parcours ambitieux mais qui commence en fait finalement avec cette acteur et ce partenaire qu'est MedSquare. Derrière, il va falloir aussi penser au mode de financement de cet outil, conçu au départ pour de la recherche, mais avec des enjeux professionnels, comme l'a rappelé le professeur Champsaur. Donc je crois qu'aussi, c'est un appel aussi à fédérer les énergies autour de ce projet pour que ce projet soit effectivement une belle réussite française qu'on pourra ensuite, sans doute, montrer en Europe. Et montrer en exemple. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Et pour en savoir plus, eh bien, rendez-vous demain, samedi 9 octobre, pour la présentation du projet POCDOSE au Forum IA. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2021.
Thank you.